Un bazar la mer. Et tu vois, qu'est-ce que ce dernier préfère de ceux qui sont encore sur terre? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Oui, pardonnant des années, on est. Et vous-même, vous allez juger s'il faut prier pour demander à Dieu, bon, je te demande que son âme soit en paix. Ou bien, vous allez juger que c'est l'être humain même qui a inventé ses folklores. Nous allons rapidement dans les Saintes Écritures. Nous allons lire un message qui nous concerne tous. C'est l'histoire de deux hommes. Vous savez, sur cette terre, nous avons deux types d'hommes. Et quand je parle d'hommes, c'est l'homme grand âge. Alléluia. Nous allons partager quelque chose dans l'évangile selon Luc, chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 19. Je vous en prie. Ce moment est crucial. C'est un moment de méditation. Je vais lire. Et nous allons voir ce qui est caché dans ces quelques mots de notre Seigneur. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa. Le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table des riches. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut. Et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour. Et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, Abraham mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre horriblement dans ces flammes. Mais Abraham lui répondit, mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie. Tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé. Tandis que toi, tu es dans le tourment. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Mais dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai cinq frères. Qu'il les avertisse pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Des frères ont les écrits de Moïse et des prophètes. Lui répondit Abraham. Qu'il les écoute. Non, père Abraham. Reprit l'autre.
Mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils le changeront. Mais Abraham répliqua. Abraham le a béni pour nous. S'il n'écoute ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Amen. Amen. Voilà la parole de notre Créateur. Nous allons prier. Elohim, nous te disons Hosanna en ce moment béni. Tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. C'est ce que tu as arrêté depuis la nuit des temps qui vient de paraître. Et nous voici devant toi pour être enseignés. Afin que ce jour ne nous suivra jamais. Nous demandons que tu circoncises les cœurs, que tu circoncises les oreilles, afin que nous comprenions ce qui est caché dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, ce passage que nous venons de lire, c'est d'actualité. Nous avons l'habitude de le lire. Mais nous ne comprenons pas le bien fondé de ce que le Seigneur veut nous souligner là. Le passage nous parle d'un riche. Et on nous parle également d'un pauvre. Et ces deux ont vécu sur cette terre. Le riche a vécu sur cette terre. Le pauvre également a vécu sur cette terre. La Bible attire notre attention sur quelque chose. Le riche de son côté, il menait sa vie à satiété. Il menait sa vie dans les festivités. Il invitait les gens. Il faisait la fête. Vous savez, quand vous avez de l'argent, on aime beaucoup faire le farofaro. On fait le matuvu. Alléluia. Mais ce riche-là, il faisait sa vie. Oui, quand tu as de l'argent, il faut réellement montrer que tu as de l'argent. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, de l'autre côté, Lazare, il n'a rien. Étant dans de grands manquements, il était malade. Son corps était couvert de plaies virulentes. Il ne trouvait personne pour l'assister. Mais de l'autre côté, vous voyez les gens défiler dans la maison du riche. Les tam-tam résonnaient. La musique était à son comble. Mais si je pouvais aller me coucher devant son portail, il va me voir. Il va prendre soin de moi. Et la Bible déclare, il est venu. Il s'est couché devant son portail. Et la Bible dit, il aurait voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Mais qui va le laisser rentrer dans la maison avec ses plaies-là? Et les plaies plus grandes seraient en train de puer. Alléluia. Le riche aurait les gardes devant le portail. Lui là, vous ne pouvez pas le laisser rentrer. Mais laissez-moi nous dire une chose. Que Dieu nous souligne. Si Dieu nous donne la richesse, je vous en supplie. Ce n'est pas pour nous seuls. Ce n'est pas pour notre famille seulement. La Bible n'a jamais dit que Lazare était de la famille
riche. Et on a dit qu'il était pauvre. Aujourd'hui, tu vois beaucoup. Il se trouve dans le besoin. Et tu es dans de grands biens. Ouais, ils ne sont pas de ta famille. Pourquoi prendre soin de lui? S'il va mourir, qu'il meure. Sa famille se chargera de sa mort. Mais laisse-moi te dire, Dieu qui t'a créé, s'il t'a donné la richesse, c'est pour que ceux qui t'environnent en bénéficient également. Le riche, de son côté, le cas de Lazare ne lui disait absolument rien. Et pourtant, il a de grands biens. Vous pensez que ceux qui ont de l'argent et qui laissent leur prochain périr dans la faim, on ne les appelle pas des nantis? Non. La Bible les appelle les maudits. Ceux qui amassent ici-bas pour périr dans le feu éternel. Si les gens sont prêts à piétiner leurs propres frères pour amasser la richesse sur terre, ils doivent comprendre que là-bas, ils vont rendre compte à leur créateur. À première vue, quand nous avons lu le passage là, certains vont dire, donc il est mauvais d'être dans de grands biens. Si les riches là, c'est mauvais aux yeux de Dieu. Non, c'est le contraire. Dieu n'a jamais voulu que quelqu'un soit dans un manquement criard. Non. Si Dieu nous laisse dans la disette, alors là, les gens vont se moquer de lui. Nous devons être modérés. Alléluia. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, il a eu de grands biens, mais il n'a pas pris soin de ceux qui sont dans le besoin. C'est une leçon pour nous tous. Alléluia. Une leçon que nous devons noter. Mais l'autre côté, la Bible dit, quand ils se sont retrouvés dans l'au-delà, quand ils se sont retrouvés dans le séjour de la mort, comme notre sœur Blanche se retrouve actuellement dans le séjour de la mort. Alléluia. Le riche et Lazare se sont retrouvés dans l'au-delà. Et la Bible dit, le riche est retrouvé dans un lieu de tourment. Dans un lieu de chaleur. Quand nous parlons de l'enfer aujourd'hui, les gens disent non, ça c'est l'histoire. Parce que toi tu ne crois pas que l'enfer n'existe pas, alors Dieu va supprimer l'enfer. Alléluia. Ce que Dieu a planifié. Il s'est retrouvé dans ce lieu de tournoi. Alors il a levé son regard. Il voit le pauvre Lazare. Tout souriant, consolé. Il n'était plus celui-là qui était dans un état piteux. En ce temps-là, il était tout souriant. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Père Abraham, oh, je t'en supplie. Dis à ce jeune homme-là d'aller tremper son doigt dans l'eau. Vous venez me rafraîchir la langue. Alléluia. En son temps, est-ce que lui-là a aidé Lazare? Il n'a pas été. Non, revenons à nous. Que nous sommes tous descendus dans la misère. Oui.
jeter un regard favorable sur le vôtre. Alléluia. Ça, c'est une sagesse que nous ne comprenons pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Voilà, il a présenté sa requête. Le père Abraham a dit non. Alléluia. Je sais que ce riche a laissé beaucoup d'argent. Les gens ne vont pas demander de messe pour lui. Oui, nous allons prier pour que son âme soit en paix là-bas. Lui-même, il n'a pas préparé pour que son âme serait en paix. Oui, on vous a dit tout à l'heure. Si vous allez rentrer dans un véhicule, vous irez sur le parc et vous rentrez dans le véhicule qui est approprié à votre voyage. Si moi je vais prendre un véhicule maintenant, je vais prendre le véhicule qui va à Boyban. Alléluia. Et si je vais sur le bas, je mets un pied dans le véhicule qui va à Boyban. Le véhicule qui va à Yakonji. Maintenant, quand les deux bébés vont déballer, je vais me retrouver où? Ah oui. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Certains disent, on ne peut pas dire Dieu, Dieu. Non, il faut, à côté de Dieu, là, il faut mettre quelque part des choses là. C'est ce que lui-même il a dit. Il dit, tu dois amener ça aujourd'hui. Et lui-même, il va t'aider. Mais quand tu es dans le sein maternel, là, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Tu n'as rien fait. Dieu t'a préservé. Tu es sorti. Maintenant, il est incapable de te préserver. C'est toi-même qui peux le faire maintenant. C'est la folie de l'homme. Alléluia. Et ce qui fait que l'homme continue ce voyage-là, il parcourt les charlatans pour pouvoir acquérir la plus grande puissance pour le protéger. Mais dites-moi, quelle est la puissance la plus grande qui dépasse la puissance de Dieu? Il n'y a pas. S'il n'y a pas, alors pourquoi nous leurrons? Alléluia. Chers frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis cette assise. Mais toute chose a un but. Et cela, c'est pour notre bien. Le riche n'avait pas compris. Il avait mené sa vie parce qu'il y avait de l'argent. Je vous assure. Celui qui a de l'argent, il lui est difficile d'adorer Dieu. Parce qu'on compte beaucoup sur l'argent. Parce qu'il est écrit. L'argent répond à tout. C'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Pour cela, beaucoup s'adosent sur l'argent. Au lieu de compter sur la providence divine, si on se trouve dans des situations données, au lieu de demander à Dieu, mais c'est toi qui m'as créé. Voilà, je suis trouvé, je me retrouve dans une telle situation. Assiste-moi. Non, on voit l'argent là. Il y a l'argent là. Je peux donner l'argent aux gens. Et ils vont m'aider à régler le problème. Tu vas beau le faire. Mais l'argent ne serait pas un bon serviteur en ce moment. Alléluia. Il avait fait en son temps. Et il s'est retrouvé dans ce lieu de temps. Là, c'est lui-même qui présente sa requête. Père Abraham, je t'en supplie. Il faut que Abraham t'a dit, déclare à Lazare d'aller tremper son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Mais l'autre dit non. Non seulement ça. Là où tu es là,
Il y a un grand fossé au milieu de nous. Où est ce fossé là? Je peux traverser pour aller là-bas. Mais le fossé dont on parle ici, on ne peut le traverser. On dit que personne ne peut quitter là, ici. Ni personne d'ici là-bas. Sans l'ordre du Dieu créateur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sa requête a été rejetée. Lui-même, il présente sa requête. Il est devant le fait accompli. Il présente la requête. Et on rejette cela. Mais les gens seront en train de prendre vos sous là-bas et vous serez en train de demander des prières. Non, je n'ai rien contre. Mais je parle selon les Saintes Écritures. Si quelqu'un ne choisit pas sa destinée de son vivant, je ne sais pas. L'intéressé a jugé bon de servir l'ennemi de Dieu de son vivant jusqu'à la mort. Mettez-vous à la place de Dieu. Il a juré. Moi là, je suis serviteur de Satan. Ça s'arrête là. Mes ancêtres ont adoré Satan et je suis décidé à le servir jusqu'à ma mort. Et quand il meurt, on amène son corps devant Dieu. Et on commence par faire le folklore. Oh Dieu, accepte-le. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Oui, tu vas me dire. Oh, Dieu n'est pas aussi méchant comme tu as tout pensé. Mais Dieu nous a créé à son image. Dieu nous a donné une conscience. C'est pourquoi il dit, tu dois prendre ta résolution de ton vivant. Cette requête a été rejetée. Alors, ce riche a commencé par penser à ceux qui sont encore dans la maison de son père. Mais avant là, est-ce qu'il a le temps de penser aux autres? Alléluia. Et quand il a dit, j'ai encore 5 frères dans la maison de mon père. Je t'en prie. Tu vas permettre à Lazare de retourner dans le monde. Tu vas permettre à Lazare de retourner dans le monde. Alléluia. Si le Seigneur va permettre à notre blanche aujourd'hui, tu vas te retourner. Tu iras dans ta famille. Et tu vas dire à tes gens cela. Il faut aller à l'église catholique. Il faut aller à l'église évangélique. Il faut aller à l'église protestante. C'est ça? Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? La Bible déclare, quand il a présenté la requête, je t'en supplie, permets à Lazare d'aller les voir. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit? Tes frères ont Moïse et les prophètes. Il les écoute. Alléluia. Vois ce qu'il dit? On n'a pas dit, tes frères ont une dénomination là-bas. Ah, ils sont la plus grande des églises, alors qu'ils vont à cette église. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Tes frères ont Moïse et les prophètes. C'est-à-dire quoi? Ils ont la parole de Dieu. Ils sont les prédicateurs de cette parole. Ils les écoutent. Alors qu'est-ce que le riche a dit? Parce qu'ils se connaissent. Il avait fait en son temps. Quand les gens venaient chez lui, lui n'a pas le temps. C'est vous rien. Il ne veut rien faire. Il trimballe la Bible. Ah, c'est vrai. Certains ont raison. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a. Vous savez pourquoi je le dis? Mais tout le monde est en. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a. Les gens ne veulent plus la parole de Dieu. Mais là, aussi quand quelqu'un tourne. Bon, il a un métier.
Il a cherché. Et pas il ne trouve pas. Il dit. Si je peux commencer une série de prières, les choses vont marcher. Il commence. Quelques jours après, vous le voyez en patron. Il a dit voilà. Dieu m'a béni. Alléluia. Et beaucoup vivent dans de telles intentions. Paul l'a déclaré. Nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. Alléluia. Il y a beaucoup qui ont pris la Bible pour seulement leur gosier. Et à cause de la voix de la vérité est calomniée. C'est des gens qui sont là, qui viendront à vous, qui vont dire, Dieu va montrer ceci. Dieu va montrer ceci. Dieu va montrer cela. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont en train de viser votre poche. Alléluia. C'est pourquoi il y a plein de prophètes. Dieu va montrer ceci. Mais en réalité, qui est prophète? La Bible déclare. Celui qui est prophète, c'est celui qui reçoit la révélation directe de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas à travers un ange. Mais quelle révélation il reçoit? Il reçoit une révélation sur la personne de Jésus-Christ. Tous les prophètes ont reçu un message sur Jésus. Et le dernier qui a reçu ce message, c'est Jean le Baptiste. C'est pourquoi les gens déclarent. Tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Parce que Jean est le dernier. C'est lui qui a transféré le sacerdoce sur le Christ. C'est pourquoi il a dit, il faut que lui il croisse. Et que moi je diminue. C'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui là, prophète ici, prophète là-bas, et leur intention, c'est de se faire de l'argent. Avec la parole de Dieu. Ah, Dieu m'a montré ici, hein, que tu as tel montant dans ton compte. Et Dieu m'a dit que tu dois assister son œuvre avec tel montant. Ah, oui, c'est un prophète qui parle. Si tu n'agis pas, alors là c'est le malheur. Voilà beaucoup corrompt le peuple de Dieu. Mais la parole de Dieu est oui et amen. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Au nom de Dieu, il a dit dans sa parole. Un léopard peut-il changer son pelage? Est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Ah non, impossible. Si quelqu'un pense qu'il peut faire tout pour être bon dans la chair, il se trompe largement. Ah non, si quelqu'un vous dit, ah, moi je suis bon, moi je fais tout. Je fais tout. Je fais tout. Je ne vole pas. Je ne fais pas ci. Je ne fais pas ça. Donc je suis bon. Jésus-Christ a dit, il n'y a pas de bon en l'homme. L'être humain est mauvais, de la tête aux pieds. Non, tu peux dire que moi je ne suis pas dedans. Moi je dis la vérité. Tout comme Dieu te le dit. Il te dit, depuis le sein maternel, tu es rempli par toutes sortes de vices. Parce que l'Écriture nous dit, c'est du cœur de l'homme que nous avons tout ce qui est mauvais. Le vol, c'est de son cœur. Je ne sais pas qu'il apprend cela. Le meurtre, c'est de son cœur. Tout cela émane de son alors qui peut changer le cœur? Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prêtre. Ce n'est pas un prophète. Mais c'est Dieu seul qui peut changer là, le cœur de l'être humain. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il a envoyé son fils. Et quand il a envoyé ce fils, ce fils est venu prendre notre place de pécheur. Et parce qu'il a pris notre place de pécheur, il doit aller payer le prix sur la croix. Et
quand il a payé le prix, il en est mort. Parce que l'Écriture dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus, après avoir pris notre fardeau de péché, il est allé sur la croix. Il a été crucifié à cause de ses péchés. Et quand il est mort, la Bible déclare, on l'a inhumé. Mais trois jours après, il est revenu à la vie. Et quand il est revenu à la vie, il a déclaré, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et dans l'au-delà. Allez dans le monde entier maintenant. Proclamez cette bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas est déjà condamné. Notre sœur Blanche a écouté cet évangile. Cet évangile qui dit Jésus-Christ est venu. Il est sorti de la Vierge Marie en tant qu'être humain saint, sans péché. Et quand il est venu à Jean-Baptiste, lors de son baptême, il a pris nos péchés à son compte. Parce que les autres venaient confesser leurs péchés dans le Jourdain. Mais Jésus est venu, il s'est chargé de ses péchés. Et quand il s'est chargé des péchés, il s'est rendu dans le désert. Et c'est à cause de cela qu'il a été tenté par le diable. La mission n'était pas arrêtée là. Si le diable avait eu le dessus sur lui dans le désert, que la mission serait interrompue dans le désert. La première des victoires remportées par le Christ pour l'humanité, c'est dans le désert. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, après avoir pris nos péchés, doit payer le prix en notre nom. C'est pourquoi il est allé sur la croix. Il a versé son sang. Vous savez que la vie de l'animal est dans le sang. Il a donné sa vie. Alléluia. Et quand il a versé son sang, il a déclaré, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Il en est mort. On l'a inhumé. Mais trois jours après, il est revenu à la vie. Et il nous dit maintenant, proclamez cette bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Laissez-moi vous poser cette question. Pourquoi se faire baptiser? Pourquoi le Christ a doit-il le baptême? Parce que jusqu'ici, certains se posent cette question. Quand Jésus est descendu dans les eaux du Jourdain, il a pris les péchés à son corps. Et nous a laissé une eau pure. Alléluia. Celui qui croit qu'il est baptisé pour prendre ses péchés. Et à cause de ses péchés, il a été jugé sur la croix. Celui-là est baptisé pour la purification de ses péchés. Et si cette foi est née dans son cœur, Dieu envoie son Esprit Saint pour le sceller. Et c'est ce qui fait qu'au dernier jour, le Saint-Esprit nous ressuscite des morts. Et nous savons qu'au dernier jour, notre sœur Blanche, quand la tempête sonnera, elle sortira de la tombe. Elle va rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est ce qui nous attend, mon frère, ma soeur. C'est pour cela que tu as intérêt à écouter et à croire au message. Si tu penses qu'après ta mort, on va t'amener dans une église, on va commencer par prier. On peut prier de janvier jusqu'à décembre. Cela ne peut te déplacer de 5 cm. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Dieu ne veut pas que quelqu'un se trouve dans ce lieu de tourment. C'est sa volonté que tous les hommes soient sauvés.
Notre Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il a dit dans sa parole, il a besoin de vous et moi qui sommes encore sur pied. Écoutez la parole et croyez en cela. Dieu n'a pas inventé une religion, dénomination. Non, non. Ça, c'est le folklore des hommes. Quand les hommes s'entretuent aujourd'hui à cause de la religion, ils vont entendre à côté de toi. Nous ne pouvons pas prendre votre temps. Nous ne pouvons pas prendre votre temps. Ce parole que vous savez est plus que suffisant. Pourquoi nous allons distribuer la littérature? Ce que nous verrons de partager, vous allez voir les détails de long en large. C'est le salut de tout un chacun avant le départ de ce corps. J'ai cette conviction. Vous n'êtes pas venu en ce lieu en vain. Je crois que le Seigneur gagnera votre écoute. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mais tout à l'heure, moi, disons-le.